Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de mon Let's Play. Non, de mon hors-série, je vais jamais y arriver. Sur le jeu The Evil Within DLC 3 The Executioner. Executioner. Voilà. Et puis j'ai fait la bêtise d'appuyer sur la fiche et j'ai pas fait exprès. Alors la quenelle, elle était en mode vas-y, je vais gagner plein de pièces, plein de plèches. Et du coup, comme elle a le problème du syndrome du spam du bouton, elle a appuyé sur la directive numéro 6, donc ça nous a obligé de commencer l'épisode. Mais je suis désolé. C'est en fesse comme un tali, papa cucu. Papa. Pour la peine, c'est toi qui vas lire la directive numéro 6. Allez, à toi. Directive Mobius 06. Éliminer le sujet d'expérience B210, patient en psychiatrie. Ok. L'influence du soldat a disparu. Nous avons également déterminé la position de votre fille ainsi que votre prochaine cible. La domination du STEM sur votre fille a augmenté de façon drastique. Dès lors que la domination sera complète, tout sauvetage sera impossible. Vous devez trouver et éliminer le patient en psychiatrie CB210. Information supplémentaire, nous ne savons pas si la soudaine accélération de la domination du STEM est due au sujet CB210 ou à la rémanence de l'entité Rubik. Nous avons découvert des preuves indirectes de sa présence, mais rien de tangible pouvant être vérifié. Nous pouvons étudier les données de l'incident Rubik pour étayer la théorie selon laquelle réduire le nombre de sujets d'expérience permettra au dernier d'entre eux de se rapprocher du cœur. L'érosion de ses souvenirs de la fille ne peut être évitée, mais nous formulons une nouvelle hypothèse pour tenir compte des dernières données. La transmission est plus difficile dans les sous-sols du manoir. Il reste deux cibles, mais obtenir des données précises s'avère compliqué. Tu peux répéter la question? Eh bien, Kenel, eh bien. Donc, deux cibles. Sûrement. C'est trois épisodes complémentaires. C'est pas la voix cassée. Allez, viens, ma Kenel. Alors, du coup, on a gagné quelques petits points, je voulais vous montrer. On a quand même pas mal amélioré beaucoup de choses. Regardez, là on peut pas améliorer plus pour le moment. Là on l'a amélioré à fond. Là c'est amélioré à fond. Là aussi. Le lance-roquette, on peut pas l'améliorer. C'est non disponible, mais on peut acheter des lance-patates. Et ça coûte cher. Pareil pour ça, on peut pas l'améliorer, mais on peut en acheter. Donc je voulais en acheter. D'accord. Ah, mais ça coûte cher. Moi je vais plutôt racheter de la. Voilà. Yala. Et après, attends, regarde. Là, tu vois que tu pouvais. Mais non, j'y pouvais pas. Si je pouvais. Mais non, mais niveau 2 en fait. Parce que ça se trouve, il faut augmenter de niveau pour pouvoir augmenter. Ah. Et fois 50 niveau. Ah ouais, bah tu vois, bah voilà. T'avais raison. Et ça, pour le moment, on en a acheté un petit peu. Ça, bah ça coûte tellement cher qu'on va pas le faire. Alors voyons voir un peu les. Oh, c'est dégueulasse. Du coup, on n'avait pas sauvegardé. On est des fous! Alors on est déjà à 2h06, on s'éclate comme un petit fou sur ce petit DLC. On veut pas s'arrêter. Alors voyons voir. Là j'en ai 2, là j'en ai 1. J'en ai 10, c'est bon. Oui, on va faire contre les gros méchants, hein. La tronçonneuse, on va la garder. Sinon on va tâter du marteau. Oui. C'était. Alors nous, toi t'avais fait la porte rouge, hein. Oui. Ok. Bonjour! Bonjour, service. Oh. Ah, lettre de fille. C'est à moi, là. Je n'arrête pas de trembler. Impossible de me rappeler le visage de papa. J'oublie lentement qui je suis. Il y a des monstres partout. Ça me fait même plus peur qu'ils m'attrapent. Mais je veux au moins revoir papa une dernière fois. C'est bizarre, hein, quand même, le système de papa et de papapa. On n'est pas vraiment tête de coffre, on est un mec qui contrôle tête de coffre en fait. Ah. Il va crever. Complètement taré.
non? Bonjour. Ah, déjà. Tu pleures? Oh non. Oh, t'es sérieux? Oh, il veut pas. Ouais, peut-être que tu peux. Je peux voir. Grâce au détecteur de zombies. Sale. Mais il s'est barré. Eh oh. Où est-ce qu'il est? Il y a un truc pour se soigner. Où c'est? Là. Ah oui, mais bon, ça va. Là, là. Viens ici, toi. Kiki, reviens voir papa. Voilà. 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 Oh, ça va, avec le détecteur anti-grosse bestiole, ça passe crème, hein. Knell, elle a duré longtemps avant de trouver la porte, moi. Il est juste à côté. Bon, d'accord. Ah ouais, juste à côté, genre. Un épisode de 10 minutes, les amis. Quoique, ça fait déjà 7 minutes qu'on a commencé. Oh la vache. Sujet, patient psychiatrique, conjonction... Ils regardent depuis l'au-delà et écrivent leur petite note, transmission reçue. Je regarde derrière le point d'insertion et je vois le présent continu. Vos pensées, je l'attends, nous avons récupéré les pensées, de nouveaux os et de nouveaux muscles. Ça va? Tous les gens, tous les mêmes pensées qui pulsent, comme un radar qui vibre. Ils sont en moi, mais pas lui. Le serpent conserve sa forme, mais il reste à l'intérieur. Il étreint mes rêves. Est-ce que toi aussi tu as un serpent qui reste à l'intérieur? Oh, non. Aucun échappatoire. Ne reste plus que le besoin, un vide éternel. Alors que la forme et la fonction se mélangent, nous nous rejoignons. Nous sommes le nouvel être, à la fois hideux et magnifique. C'est ce qu'on appelle la bête à dodo, mes amis. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez ça sur Google. Si vous avez plus de 18 ans. De préférence. Il croit avoir pris mon âme, mais je crois que je l'utilisais. De toute façon, je suis son déguisement. Oh, oh non. Yeah. J'ai hérité du chien. Oh bordel la queue. Ça quand même, s'il te plaît, hein, nous avons des enfants. Ah bah non, non. Oh non, c'est t'inquiète, c'est une expression qu'ils connaissent très bien. Oh là là. Écoutez. Il est violé celui-là? Putain. Je veux pas regarder derrière moi. Putain de masse à sa mère, j'aurais dû prendre des trucs. Putain. J'ai pas. Ouais, ok. Est-ce que ça va marcher? Bonjour. Aïe, ça fait mal, l'enfoiré. C'est mal. Il y avoir un fait moyen. Mal. Il fait mal. Pourquoi je me tape le chien? Je m'étais déjà tapé dans le let's play, quoi. Comme si le jeu. Ah, ben voilà. Ça, je suis en voiture. Allez, mec. Putain, quel con. C'est sa mère. Exploser un ennemi en projetant une voiture. Ah, non. J'ai un peu de mal à comprendre la technique, hein. Merci, tu savais tout le mal que je suis en train de me faire. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, je suis en train de me faire. Ouais, ouais, j'ai vu. Okay.
bah ouais, ok. Là que tu me montrais. Ok. Là, il y a une porte là. Fermée. Ok, là, il y a un autre truc de soin. On va y aller comme ça en mode. Hein? Merci madame. Ah, elle t'a fait une petite haleine. Attends. Quoi? Je pouvais. Parce... Oui. Oh. Allez, sa mère. Ah, la bonne, tu prends. Ah, toi. C'est bon, l'explosion. Ok, ok. Hein? Oui, on n'a pas peur. Ah, j'ai du mal là. Ah, pour l'autre, comment on fait? On parle comme ça. Ok. On va savoir. Je viens de comprendre un petit truc là. Coucou. Salut Thierry. Putain, gentil. T'as un pattern assez lent, mec. T'as un pattern assez lent. Et ouais. Raté. J'ai compris comment tu marches, mon vieux. Et ouais. Et moi, j'ai une grosse tronçonneuse. Gentil, pas taper, gentil. Ah, méchant. Pété. D'accord, il y a d'autres potes qui sont revenus. Salut! Comment ça va? Allez, enfoiré de sa maman. Non, allez, va-t'en, écoutez. Je me casse, il va exploser. Trop chaud. Ah d'accord, il fallait lui balancer dessus en fait. D'accord. Aïe, c'est lui ou moi, mes amis. Putain, allez. Ah, il m'a eu. Oh, il m'a eu. Quel enfant fait du ciboulot. Mais je viens de comprendre un petit truc, là. Tu sais comment on envoie les voitures. Ouais, en fait, le plus simple aurait été de... Ouais, sauf que maintenant, j'ai moins de trucs. Du coup, je peux pas en racheter, je présume. Bah non. Bon, bah, on va devoir jouer au footing. Ok. Très bien. Est-ce qu'il est... Attends, il est pas arrivé encore. Il est... Au moins, il y a des trucs de soins. Ok, je t'ai déjà vaincu dans la... Je l'ai eu, ouais. Voilà. Donc, tant qu'il y aura des voitures, ça va aller, mais après, ça va être assez tendu. Bonjour. Ici, service de... Allez, lance-moi une petite voiture, s'il te plaît. Voilà. Bon, en fait, c'est facile. Non. Ah, la voiture. Oh yeah. En fait, c'était facile. En fait, oui. Fais mal, madame. Allez, lance la petite voiture, lance la petite voiture. Voilà. Lance.
il est en train de me... Il est en train de me coincer. Vite, du soin. Du soin. Fais enfin, attention, la quenelle reste bien dans le cadre de la caméra. Dans les enfants. Il est su caché. Vas-y. Bon, bah voilà. Finalement, 15 minutes la vidéo avec un ratage assez rapide. Ouais. Oui, mais tu dois faire un truc. Ouais. Eh ouais. Vous pouvez désormais acheter le niveau dans la boutique. Cool. Tu fais le... Oh, on a encore un trou de Knell. Parce que ça va être un trou, on va rentrer dedans, ça va être le tour de Knell. Trou de Knell. Voilà. Voilà. Et on va faire... Et c'est pas de ma faute, c'est le jeu qui veut. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Allez. On va vous montrer ce que... Vous avez vu que Knell qui combat, et moi qui étais un peu foireux, je vais vous montrer la pouvoir magique. Pauvre dame. Mais tout ce qu'il vous a pas dit, hein. À un moment il s'est fait troller. Ouais, je me suis pris des... un truc dans la fesse et ça m'a fait tourner mal. Il a pris ça dans la tête. Si on se rapproche d'ici, bah ça fait mal aussi et on perd sa vie. Littéralement. C'est gros. Ouais, d'ailleurs les gros. Non. Bonjour madame. Ah, y'a pas de gros là pour le moment. Y'a même pas de truc explosif. Étonnant. Toi. Putain, il m'a tapé. Méchant. Madame, elle est pas morte. Hein. Elle est pas morte. Ah bah non. Madame a résisté. Ou pas. Gros, pas gros. Oh putain, là y a du monde là. Lâchez-moi mesdames. Restez sortis. Putain. J'avais dit que j'étais plus fort que Knell. Mais la Knell la garde. What magas. Mais prends-le. Et... Ouh. Ouh. Vous voulez jouer à ça? Fais gaffe derrière toi. Ah. Pour le moment, je fais que de l'écrasage de cerveau, mais bon. J'ai marre de me faire frapper. Oh putain, gros. Bonjour. Oh là, oula, 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 oula. Je vais crever. Bonjour madame. C'est bon. J'arrive à tuer des gros en un coup. Et je vais me faire tuer par des petits. Couché. Je vais pas oser. Je vais pas oser, les amis. Moi, je me suis blessé. Allez, lâche-moi. Je vais me faire mal. Bam, bam. Voilà. Cassons. Il y avait beaucoup de monde, hein, donc c'est pour ça que je suis parti. Putain, allez, on pète. Moi, j'ai repris la tête, mais... Vas-y. Vas-y. Bonjour. Qui c'est qui va prendre une chaise? Attends. Ça lui a rien fait au gros. Le gros, il est insensible. Allez. Allez. Est-ce que Blarken va-t-il survivre? Est-ce qu'il va crever? Ah. Salut. Salut. Viens voir Pépé.
attends. Comment je tape là, genre, vas-y. Je survis, mes amis. Voilà, je vous montre pas du grand skill du grand Blarkan. S'il n'y a pas un peu de putain. Là, si t'exploses, tu meurs. Ok. Youf. S'il n'y a pas un peu de challenge, une sensation de mort imminente. Ah ben je vais réussir, regardez, c'était le dernier. Oui. Oui. Ou débouillez. Allez, viens voir. Pour cette fin, il va finir au palais. C'était l'homme élastique, on vous l'a pas dit. Et j'ai gagné. Par contre, Quenelle va avoir du mal à le faire juste après en gardant sa vie. Ouais. Bon, on ira améliorer toutes les affaires et puis on partira cela dans le prochain épisode. Ouais. Donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou tout simplement de partager la vidéo. Bye. Et en attendant, à ciao tout le monde et merci de m'avoir regardé. Bye bye. Bye.